Les commerçants des produits de la Brahoudi, surtout les boissons alcoolisées, déplorent et dénoncent ce qu'ils qualifient de pénurie généralisée de ces boissons depuis la fin de la semaine dernière. Certains d'entre eux confient que pour avoir au moins un casier de bière ou de limonade, il faut faire des commandes au moins une semaine à l'avance. D'autres, faute d'impatience, préfèrent sillonner les quartiers de la mairie en quête des produits de cette brasserie. Les produits de la Brahoudi sont devenus problématiques. Cela fait une semaine que j'ai commandé 10 casiers d'Amstel. Lundi, ils ne m'en ont donné qu'un casier. Un autre mardi, hier, ils m'en ont donné 3. Il reste encore 5 casiers. J'avais fait aussi une commande de 8 casiers de Primus, mais je n'en ai eu que 3. Il y a vraiment une pénurie des produits de la Brahoudi et les clients se plaignent qu'ils ne sont pas servis. Nous leur répondons que la faute est à la Brahoudi et non pas la nôtre, parce que nous partons nous approvisionner et ils sont là quand nous revenons. Les produits de la Brahoudi sont devenus rares maintenant. Pour en avoir, il faut patienter et cela nous empêche de continuer notre travail. Nous demandons à la Brahoudi de résoudre ce problème pour qu'on ne perde plus notre temps. Le propriétaire des dépôts de la Brahoudi confirme cette pénurie des produits de la Brahoudi. Ils indiquent qu'ils essaient de départager le peu de casiers qu'ils reçoivent pour satisfaire leurs clients. Vous voyez que le dépôt est vide. On n'est pas encore approvisionné. Avec le nombre de casiers que la Brahoudi nous donne, on essaie de les départager, car ce sont les méga SSD qui sont servis les premiers. Puis c'est le tour des dépôts avec le nombre qu'on nous sert. On essaie alors de les départager avec les commerçants. Iwa, tu as essayé de joindre la Brahoudi en vain.